les drapeaux derrière. Et ceux qui sont devant, asseyez-vous. Ceux qui sont devant, s'assoient. Asseyez-vous, ceux qui sont devant. Restez assis, s'il vous plaît. Restez assis. Ceux qui sont devant, restez assis. Democracy. But supports Debbie family dictator behind the scenes. The monarchization of African presidency by France has been going on for decades. Mazive protests are going on in Chad and Europe over French support for military junta after 30 years of military rule by Idriss Deby. And pressure is mounting on French President Emmanuel Macron, who openly supports the military junta that has seized power against the Chadian constitution. After the death of the Chadian president Idriss Deby Itno, receiving the DRC Congo president Félix Antoine Tshisekedi in Paris on Tuesday, the 27th of April, French President Macron says no to a family succession in Chad. Could Africans believe his words after bad experiences in decades of French installation and support of brutal corrupt dictators in Africa, who mostly work for their own pockets and French interest? In an old interview, late President Idriss Deby accused France of forcing him behind the scenes to change the Chadian constitution to remain in power, and then publicly criticizing him for staying in power. On the 20th of April 2021, President Idriss Deby was fatally wounded by FACT rebels' gunfire on the front lines of the conflict, just over a week after he was re-elected president for a sixth term. A rebel spokesperson claimed that Deby was wounded in the village of Mele, near the town of Noku, before being transported back to the capital, N'Djamena, where he succumbed to his injuries. General Mahamat Deby Itno, son of the deceased president, was declared the interim president as head of a military junta. France was the first country to openly support military junta. France has been accused of fueling armed conflicts in Africa in order to legitimize the presence of their military bases in what they call fight against terror. The French military and their European allies support these authoritarian regimes in Africa with arms and training. The arms are later used by these regimes to oppress their citizens in order to remain in power. À Paris. Mesdames, Messieurs, bonjour. Cher Président, cher Félix, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à Paris, en tant évidemment que président de votre pays, après des échéances politiques intérieures importantes et franchies avec succès, dont je vous félicite parce qu'elles sont une étape importante de la modernisation de la vie démocratique, politique, RDC et votre volonté d'aller de l'avant, mais aussi en tant que président de l'Union africaine et partenaire stratégique de la France. Nous étions avec le président Tshisekedi il y a quelques jours au Tchad, à N'Djamena, pour rendre hommage au président défunt Idriss Deby et pour soutenir un processus de transition qui doit ouvrir la voie de la démocratie et de la stabilité du Tchad. Et aujourd'hui, avant toute chose, nous voulons exprimer notre préoccupation sur l'évolution de la situation, en condamnant d'abord avec la plus grande fermeté la répression des manifestations et des violences qui ont eu lieu ce matin à N'Djamena. Nous appelons au respect des engagements qui ont été pris par le Conseil militaire de transition, celui d'une transition pacifique, inclusive sur le plan politique. Et je veux être ici très clair. J'ai apporté mon soutien à l'intégrité et la stabilité du Tchad, très clairement à N'Djamena. Je suis pour une transition pacifique, démocratique, inclusive. Je ne suis pas pour un plan de succession. Jamais aux côtés de celles et ceux qui forment ce projet. Le temps est venu de lancer un dialogue politique national ouvert à tous les Tchadiens. C'est ce qui est attendu aujourd'hui du Conseil militaire de transition et c'est la condition même de notre soutien. Et je veux ici dire que nous resterons engagés aux côtés de l'Union africaine, le président Tshisekedi cette année, aux côtés aussi du G5 Sahel, et je veux saluer
l'effort des présidents du G5 Sahel qui ont aussi œuvré à cette médiation avec beaucoup de force. Et il faut que dans les prochains jours, nous puissions rétablir la situation qui aujourd'hui me préoccupe très fortement. Mesdames, Messieurs, bonjour. Cher Président, cher Félix, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à Paris. Et nous voulons montrer à la face du monde et à la face de la France et de Macron que jamais on peut accepter cette forfaiture. Les drapeaux derrière. Et ceux qui sont devant, asseyez-vous. Ceux qui sont devant, s'asseyez. Asseyez-vous, ceux qui sont devant. Restez assis, s'il vous plaît. Restez assis. Ceux qui sont devant, restez assis. Ceux qui sont devant, s'il vous plaît. Ceux qui sont devant, asseyez-vous. Attention, il y a le direct là. Haroun. Arrête un peu. Le direct, s'il vous plaît. Arrête. Voilà. Merci beaucoup. Asseyez-vous. Et à la France.